appeler donc les intervenants de la séquence 2, c'est-à-dire M. Richard et M. Barry. Et nous allons commencer la séquence par un film sur une démarche assez significative de regroupement. Je vous prie de vous asseoir. Une démarche assez significative de regroupement d'acteurs dans le cadre du contrat territorial sur le Val d'Allier. Depuis Vieille-Brioude jusqu'à sa confluence avec la Loire, la rivière Allier présente une dynamique fluviale active, avec des érosions de berges et de nombreux méandres qui se déplacent au fil du temps. Cette divagation de la rivière constitue le moteur de la biodiversité du Val d'Allier et garantit la pérennité de la ressource en eau potable. On est ici sur un site où on peut voir l'Allier, donc, qui est un peu au cœur de nos objectifs de conservation, et tous les milieux qui sont créés par la rivière Allier, donc avec la forêt alluviale, les plages de sable, la mosaïque d'habitats caractéristiques naturels du Val d'Allier, avec les prairies, les pelouses. Dans les méandres de l'Allier, on a des parties concaves et des parties convexes où il y a d'un côté des zones d'érosion avec ces talus d'érosion où vont nicher les oiseaux guêpiers et hirondelles. Et puis de l'autre côté, d'autres zones de dépôt où on va trouver d'autres espèces d'oiseaux et autres animaux spécialisés sur ces milieux de plages, de sable et de galets. Donc parmi les oiseaux, on peut citer le dicnem criard, les sternes, naines et pierres garins, et une multitude d'insectes également. Et évidemment, à chaque habitat, une végétation spécifique. Le conservatoire Auvergne a acheté des terrains qui sont juste à côté de nous, un peu plus de 8 hectares. Le but de cette acquisition, c'est de permettre à la rivière de continuer à éroder les terrains pour la recherche sédimentaire et son équilibre fluvial. L'an dernier, vous seriez venu ici, vous aviez la rivière qui passait et qui coulait au pied du talus. La rivière bouge continuellement et là, elle est en train de partir vers l'ouest. Et on a sous nos yeux la constitution d'un bras mort, donc, qui petit à petit va se déconnecter de la rivière. On ne s'attend pas à voir une rivière bouger, une rivière bouge, mais en général d'un mot en aval, mais de façon latérale, de façon aussi spectaculaire. C'est quelque chose qu'il faut expliquer. Et puis, en évoquant ce passé, cette histoire locale, on arrive mieux aussi à expliquer aujourd'hui quels sont les enjeux en termes de préservation de la ressource en eau potable. Si on empêche la rivière d'éroder, de se déplacer, elle a pour effet de surcreuser son lit. Et donc, en surcreusant son lit, la nappe alluviale en fait, est moindre. Et on a des difficultés ensuite à alimenter en eau potable. Donc, en se servant de l'histoire, on permet de voir les enjeux d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui sur le site de la Boire des Carrés, qui est aujourd'hui un espace naturel sensible inscrit au titre de la politique départementale portée par le Conseil général de l'Allier, et en même temps sur un site inscrit au titre du contrat de restauration et d'entretien du Val d'Allier, pour lequel la maîtrise d'ouvrage est assurée par Vichy Val d'Allier, la communauté d'agglomération, avec comme gestionnaire la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est vrai qu'à l'origine, c'est un site qui était géré et dont les initiatives ont été prises par la LPO Auvergne dans le cadre du programme Loire Nature, il y a plus d'une dizaine d'années déjà, et pour lequel en fait des partenariats se sont noués au fil du temps, à la fois grâce à des soutiens financiers par le département, par la région et l'agence de l'eau, mais également des partenariats locaux, notamment dans le cadre de cette politique espace naturel sensible, où le département a souhaité déléguer la maîtrise d'ouvrage de l'opération à une collectivité locale. Pour la collectivité du Val d'Allier, c'est d'abord l'intérêt
de proximité, parce que c'est sur notre territoire, donc la collectivité a vocation à mettre en valeur son patrimoine, notamment son patrimoine naturel. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est penché sur la valorisation de tout ce patrimoine naturel donc, sur notre secteur. Il y a aussi donc toute la rivière Allier, et donc avec la divagation et maintenir le pouvoir de divagation de cette rivière, ce qui fait qu'on est à proximité, pas très loin du centre-ville effectivement. On a un patrimoine quand même important qui souvent on ignore parce qu'on n'est pas très loin de la ville, mais c'est un patrimoine tout à fait remarquable et qu'il est bon donc de faire connaître à la population. La dynamique fluviale, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas facile à comprendre dans la mesure où on ne connaît pas tellement cet environnement et cette faculté qu'a la rivière, notamment au cours d'inondations, de pouvoir changer son lit. Et tout ce que ça... Alors effectivement, ce sont un certain nombre de friches qu'on pourrait penser qui sont peu utilisées, mais dans ces friches, c'est toute une possibilité de maintien de la vie sauvage et notamment du pouvoir à la rivière de pouvoir divaguer avec tout ce qui s'ensuit derrière en ce qui concerne donc la faune, la flore et l'eau potable, puisque c'est un formidable réservoir donc d'eau potable qui est pour le département de l'Allier un des points les plus importants d'approvisionnement autour de cette rivière Allier. On ne voit pas la rivière, on a un espace très ouvert autour de nous, bah, on a trouvé cet aspect intéressant. Et elle est pédagogique parce que ici, nos plots là représentent les hauteurs d'eau à quelques centimètres près, hein, mais les hauteurs d'eau atteintes par les différentes crues historiques de la rivière. Imaginez qu'il y a quelques décennies, c'est pas vieux, hein, dans des endroits comme ici et dans tout le Val d'Allier, dans la rivière qui a quelques dizaines de mètres, on extrayait les granulats directement dans la rivière. Et ici, dans des gravières, une fois qu'elles étaient en fin de vie, on ne les réhabilitait pas comme l'espace naturel sensible de la Boire des Carrés aujourd'hui, mais on en faisait des décharges publiques, avec un tri particulièrement non sélectif. Alors qu'aujourd'hui, si vous ouvrez bien les yeux, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir une cistude, qui est une tortue rarissime qu'on trouve ici. Vous allez voir des sternes, Pierre Garin, des sternes naines, qui nichent sur les petites îles, là, au milieu. Et puis des dizaines d'oiseaux nicheurs. Donc ça veut dire qu'on est entré dans une ère nouvelle. On est passé de la destruction inconsidérée d'une rivière qui est emblématique et de ses abords à une protection raisonnée grâce à l'action de tout le monde et notamment à l'argent des collectivités publiques. Il faut arrêter de séparer toujours l'économie et la protection de la nature. C'est la même chose. Si on a de l'eau potable, c'est parce que l'eau va passer à travers les couches et elle va recharger des nappes phréatiques. Et pour avoir de l'eau potable, il faut avoir des grands espaces qui sont protégés. Et quoi de mieux que des espaces naturels sensibles ou des sites Natura 2000, puisqu'on a les deux ici. Donc voilà cet exemple du contrat territorial sur le Val d'Allier qui a permis sur une grande vallée alluviale de rassembler tous les partenaires, la région, les départements, les associations avec le soutien de l'Agence de l'eau. Donc je vais appeler M. Richard et M. Hénon du syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise, si je ne me trompe pas. Bonjour à tous et à toutes. Ce syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise a été créé en 1981. Il est sur un bassin de trois rivières, la Vendée, la Sèvre et les Autises. On dit les Autises parce qu'il y a la jeune et la vieille, donc la vieille étant naturellement et l'autre étant une rivière rapportée. Sur ce territoire de 50 communes, nos partenaires sont les communautés de communes et le département, ce qui permet d'avoir un travail intéressant de l'amont à l'aval, l'aval étant la baie de l'Aiguillon, où nous avons une nécessité impérieuse, c'est de livrer de l'eau potable, la plus potable possible, je dirais, pour les mitiliculteurs. Donc voilà l'enjeu du territoire, c'est de travailler tous ensemble pour que polluer le moins possible en amont pour avoir la meilleure qualité d'eau en aval. Donc je vais laisser Fabrice développer nos différents contrats. Voilà, donc on nous avait demandé d'avoir une approche plus organisationnelle et voir comment les CTMA avaient amené une évolution de notre appréhension des milieux aquatiques et de l'eau et comment ça avait amené à une évolution de notre structure même.
Donc à l'origine, le syndicat mixte, il était essentiellement pour porter les grands travaux de restauration du marais, dans un contexte où on avait quand même une vingtaine de gestionnaires hydrauliques. Donc nos premières missions ont surtout été la coordination, la mutualisation des moyens et la concentration et la diffusion de l'information, parce que la connaissance sur les marais était assez faible. Donc nos compétences se sont adaptées à nos milieux, donc ils ne sont pas venus d'un bloc... C'était essentiellement à l'origine l'entretien et la gestion des marais. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas dissocier la gestion des marais de la gestion des cours d'eau qui étaient juste à l'amont, de la gestion de la nappe qui était associée aux marais. Et Xintia nous a rappelé qu'on ne pouvait pas non plus dissocier la gestion des marais du domaine maritime. Donc on porte différents programmes territoriaux et quand on voit qu'on a cette multitude de compétences, les CTMA ne sont qu'un des volets des programmes et des actions. Donc il y a le CTMA zone humide, donc il prolonge les contrats de rivière ou de marais qui étaient faits au préalable. Donc le premier contrat a été fait en 2007. Le marais Poitevin est divisé en 4 bassins, donc bien évidemment il y a 4 contrats actuellement sur le marais. Le premier, donc signé en 2008, réalisé en 2007, il est arrivé à échéance et on repart sur un deuxième volet. Donc je ne vais pas citer tout ce qu'on fait, mais il y a quelques actions qu'il faut retenir parce que ça va servir pour la suite. Donc tout ce qui est lutte contre les plantes envahissantes et ce qui est continuité écologique notamment. Les contrats de cours d'eau, on en a un qui est en cours sur la rivière Longève. On en a un qui est quasi finalisé, qui démarre cette année, et un qu'on va lancer les études sur la rivière Vendée. Donc on voit tout de suite, au travers des 4 CTMA, on finit par couvrir un territoire, donc la partie marais ici, la partie Longève, la partie amont rivière Vendée et la partie Autise, avec une particularité, on est sur une rivière qui porte sur 2 syndicats et 2 cours d'eau, mais au bout du compte, il y aura un seul et même CTMA. Donc les limites administratives ne sont pas un facteur limitant de l'outil. On part également des contrats gestion quantitative. Donc là, c'est plus pour les aspects quantitatifs de l'eau, notamment d'irrigation. On porte 2 programmes de substitution. Qui porte sur 18 millions de mètres cubes les deux réunis. L'objectif étant de faire 20% d'économie d'eau sur la nappe connexe au marais et de substituer 50% du volume restant, ce qui représente une diminution des prélèvements estivaux de 60%. Avec des effets qui ont été mesurés, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet, mais avec des effets réels sur le milieu et sur les niveaux d'eau du marais où on a résorbé à peu près les problèmes d'assec estivaux. Les programmes d'aménagement et de prévention d'inondations, donc vous avez toujours notre périmètre et le périmètre du programme. Donc on voit que sur un même périmètre, il se superpose une multitude de programmes où on trouve encore des actions autant sur la partie maritime que sur la partie fluviale, des actions qui sont en commun, l'automatisation de la télégestion, les digues fluviales qui, quand ils sont transformés en volets surfaciques après travaux, se transforment en corridors écologiques. Donc on a des liens et des passerelles qui existent entre tous ces contrats. Entre les CTMA eux-mêmes, puisque la continuité écologique et les espèces envahissantes ne sont pas limitées par la masse d'eau, les masses d'eau vont de l'une vers l'autre. Entre le CTMA et le CTGQ, parce que c'est sûr qu'en premier, on a commencé à faire les CTMA, mais très rapidement, on s'est posé la question, mais... À quoi ça sert de restaurer un cours d'eau si on n'a pas d'eau à mettre dedans l'été? Donc il fallait bien passer aussi au volet quantitatif. Et après, il y a aussi le volet prévention des inondations. Donc il faut savoir efficacement protéger la population, avoir des outils de gestion. Mais il faut en même temps respecter les aspects environnementaux, notamment la règlement d'eau, les maîtrises d'ouvrage, la continuité écologique. Et la restauration des corridors écologiques, qui sont les nouveaux enjeux qu'on a. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, on a eu aussi les cas de figure de cours d'eau qui devenaient corsetés entre deux digues. Aujourd'hui, il faut faire machine arrière. Donc on n'est pas dans une logique, parce qu'il y a de l'habitat, de remettre de la sinuosité, mais on est dans une logique de recréer des limageurs. Donc ça, ce sera porté par les papilles. Donc... après, les avantages et inconvénients entre CTMA, donc nous, on a trois volets, hein, le champ d'intervention, l'aspect calendrier. On va les prendre les uns après les autres. Donc, en termes de champ d'intervention, ça correspond globalement à la demande des propriétaires riverains et des associations de propriétaires qu'on a sur notre territoire.
Ça fait des apports financiers qui sont indispensables, parce qu'aujourd'hui, comme sur le Marais Poitevin, qui est reconnu niveau patrimonial au niveau international, si on veut bien le gérer, ça a un coût, et ce côté patrimonial, seules les communes qui sont sur place ne peuvent pas gérer et ne faire face financièrement, et on a bien besoin d'une certaine solidarité nationale, voire européenne. Le point négatif en champ d'intervention, c'est qu'on voit le milieu par une seule approche, et il y a besoin de coordonner avec d'autres programmes. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir porté en premier lieu un CTMA nous a amené après à porter les autres thématiques. On était structuré, on avait l'habitude de ces programmes ambitieux, et on est allé vers de nouvelles thématiques. Et au fur et à mesure qu'on avance, le CTMA a été un premier pas vers une gestion beaucoup plus globale de l'eau. Les aspects calendriers, le gros avantage, c'est d'avoir une lisibilité financière sur 5 ans et surtout des garanties de financement sur 5 ans. Donc les maîtres d'ouvrage peuvent beaucoup plus se lancer dans une politique de l'eau quand on sait que ça ne va pas évoluer d'une année sur l'autre. 5 ans, c'est un minimum. Maintenant, parfois, 5 ans, ce n'est pas assez parce que quand on est sur une grosse masse d'eau, 5 ans, mais on traite que partiellement les choses. Heureusement, les CTMA sont relativement souples et nous permettent de prolonger sur un deuxième contrat. De la même manière, 5 ans, on ne peut pas toujours anticiper sur ce qui va se passer à 5 ans. Et encore une fois, les CTMA ont une souplesse et ont cet avantage, c'est qu'annuellement, les programmes à la marge peuvent être révisés. Et les aspects périmètres, l'avantage, c'est que c'est un support pour aller convaincre tous les partenaires de rentrer dans un même programme. Donc on a une approche par masse d'eau. Alors c'est peut-être mal perçu comme parfois un chantage au financement, mais au moins nous maîtres d'ouvrage on est aidés sur le terrain par les conditions de financement. Le point négatif, c'est quand on se retrouve sur des collectivités qui ne sont pas forcément motrices, une masse d'eau ne peut pas être traitée dans son intégralité. Donc ça veut dire que cette masse d'eau, même si on est partiellement motivé, on ne peut pas la traiter et elle attendra que tous les acteurs se mettent autour d'une table. Donc la réponse du syndicat mixte à tous ces aspects, donc ça a été, comme vous l'avez vu, une évolution des statuts et une évolution de l'objet. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la gestion de l'eau est indivisible et ne peut pas être divisée aujourd'hui par thématique. Et elle est aussi indivisible. Et on est à 81, on avait cette zone-là. 2004, on a évolué ici. 2012, on a pris une deuxième partie de bassin versant. Et 2014-2015, ça va être une évolution pour que le syndicat mixte ait globalement l'intégralité du bassin versant. Parce que la goutte d'eau, c'était l'introduction de mon président, la goutte d'eau qui part d'ici, elle arrive dans la baie de l'Aiguillon où on a des mythiliculteurs. Et si cette goutte d'eau n'est pas convenablement traitée, soit en débit, soit en qualité via l'auto-épuration, on se retrouve avec une baie de l'Aiguillon qui est déclassée. Jusqu'à aujourd'hui, seule la partie marais payait. Le fait d'être traité par bassin versant permet d'avoir une certaine solidarité à l'échelle intégrale. Même si à la marge, on n'y arrivera peut-être pas à 100% du bassin versant, mais au moins, on va pouvoir conventionner avec nos riverains, comme on l'a fait sur cette partie Otis. Voilà. Et ça nous a permis d'anticiper sur la GEMAPI. Aujourd'hui, on est GEMAPI compatible, entre guillemets, puisqu'on a la quasi-totalité de notre bassin versant et du fait de l'évolution des financements et des taxes, aujourd'hui, ce sont les Comcom qui sont membres du syndicat mixte. Oui, en conclusion, une conclusion rapide, je dirais que le plus de l'outil CTMA, c'est certainement l'outil indispensable pour l'entretien et la surveillance des milieux. Le respect aussi des maîtres d'ouvrage, et je crois que là c'est quelque chose d'important dans le CTMA, c'est le dialogue que nous pouvons avoir les différents maîtres d'ouvrage, ce n'est pas toujours évident au départ. Le moins, parce qu'il y a toujours, s'il y a un plus, il y a aussi forcément un moins, le moins dont c'est la lourdeur et la complexité administrative entre un premier contrat et un second contrat. Pour faire court, lorsque vous faites de l'entretien, on ne peut pas s'arrêter. Alors, il y a des adaptations, il y a des modifications, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse accélérer la reprise du deuxième contrat. Parce que 2 ans perdus entre l'un et l'autre, ça veut dire des berges qui peuvent se dégrader, ça veut dire des milieux qui ont perdu la qualité, et nous sommes dans un marais où l'alluvion compte beaucoup. Voilà. Merci. Merci de cet exemple assez représentatif de l'organisation
territoriale pour prendre en compte l'ensemble des enjeux des milieux aquatiques et même plus large. Et donc je passe la parole à monsieur Philippe Barry du syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne. Bien, monsieur le président, monsieur le directeur, mes chers collègues élus, mesdames, messieurs, donc je suis impliqué dans ce syndicat depuis 1995 et président depuis 2008. Et je suis accompagné du directeur ingénieur du syndicat, mais comme il est très timide, il n'a pas voulu venir avec moi. Mais c'est lui qui a fait une grosse partie du travail. Donc je rends à Johan ce qui appartient à Johan. Donc le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne a été créé en 1989 avec sept communes. Nous nous situons sur la Vienne, à l'aval de Limoges, entre Limoges et la limite de la Charente. Cette commune au départ avec surtout une problématique d'équipement pour la pratique du canoë-kayak. Puis il y a eu une évolution en syndicat mixte fermé à la carte avec, vous le voyez, 26 communes en 2003 pour passer jusqu'à 50 communes en 2014. Vous verrez pourquoi. Donc voilà aujourd'hui le syndicat tel qu'il est. Pour vous situer, Limoges est ici. Et là, on a le département de la Charente. Donc, il y a eu, au départ, un premier syndicat qui était sur vraiment le bassin de la Vienne et de la Glane, puis qui, petit à petit, a intégré le bassin d'un affluent ici, qui était l'Exette, et un gros bassin ici, qui est le bassin de la Briance. Je ne rentre pas dans le détail. Donc, vous voyez les éléments chiffrés de du syndicat avec 2500 km de cours d'eau, 140 km² de zones à dominante humide, dont effectivement plus de 60% sont en SAU, environ 1800 étangs, ça j'y reviendrai, c'est une problématique majeure, et plus de 280 seuils. Un premier contrat a été signé pour la période 2008-2014 avec nous sommes quatre co-signataires, donc avec le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin, dont je n'ai pas besoin de faire la promotion puisque le directeur fera très bien le travail cet après-midi, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la région Limousin. Il y a eu l'intégration de premières mesures agro-environnementales territorialisées à ce moment-là. Et un autre creux est porté par la communauté d'agglomération de Limoges Métropole sur un des affluents. Et nous nous sommes organisés par convention avec l'agglo pour travailler de manière concertée, complémentaire, sans se marcher sur les pieds. Le renouvellement donc pour 2015-2019 est prévu avec l'intégration d'un nouveau bassin, je le disais, sur le sud, et avec des co-signatures qui sont à l'étude, mais les discussions sont bien avancées, avec l'Université de Limoges, puisqu'on travaille beaucoup sur des actions de recherche avec eux, toujours le conservatoire bien sûr, avec le PTB de la Vienne, avec le PNR Périgord-Limousin et, j'entendais tout à l'heure le président de la Fédération départementale de pêche, effectivement, pour nous, c'est en Haute-Vienne un partenaire extrêmement important depuis, de toute façon, le début de nos actions. Et là, nous souhaitons l'intégrer directement comme co-signataire du nouveau contrat. Il y a un contrat envisagé pour la période 2016-2020 sur un gros bassin qui est le bassin de la Briance, donc qui va jusqu'au département de la Corrèze et qui nous a rejoint l'an dernier, où là il y a un diagnostic qui est en cours avec des partenaires nouveaux comme la FDG Don sur toute la problématique espèces envahissantes et également la lutte contre les ragondins. Avec le Conservatoire botanique du Massif central, lui qui est, alors là pour le coup spécifiquement
bien sûr sur les aspects botaniques, mais plantes envahissantes. Le pays Monts et Barrages, qui est une structure intercommunale voisine, et la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. Comme je n'ai pas la langue de bois, je dirais qu'au tout début du premier contrat, le partenariat avec la chambre d'agriculture n'était pas complètement évident. Un contrat pour quoi faire, bien sûr, très rapidement, des enjeux alimentation en eau potable, des enjeux sécurité civile, un enjeu agricole et économique, et un enjeu halieutique et touristique. Enfin, bien sûr, un enjeu paysager avec des vallées encaissées et, de manière transversale, tout un enjeu biodiversité. 5 objectifs majeurs sur un programme d'action sur la Vienne et la Glane qui était constituant la restauration des conditions naturelles d'écoulement des eaux, la limitation du colmatage du Lys, l'amélioration de la qualité piscicole, connaissance, préservation, gestion des zones humides avec toute la biodiversité y afférente, bien sûr, et un programme important aussi de communication auprès des populations et de sensibilisation. J'y reviendrai rapidement à la fin de mon propos. Donc il nous a fallu prioriser, hiérarchiser et programmer, bien sûr, les actions. Donc 30 actions avec comme objectif, je le disais, restaurer les conditions d'écoulement. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Pas question de faire des interventions drastiques sur la ripisylve. Néanmoins, quand on se retrouve avec un cours d'eau comme ça, suite à la tempête de 99 et qui n'avait jamais été touché, il y a nécessité de quelques interventions. Des problématiques aussi sur les berges, alors bien sûr, pas question de, le terme a été employé tout à l'heure, de corseter la rivière, mais à certains endroits, il fallait bien sûr éviter cette détérioration des berges. Limitation aussi, bien sûr, du colmatage, je le disais. Je passe sur les illustrations. Évidemment, là, des actions déjà évoquées, bien connues, mais qui sont fort appréciées. Et le partenariat avec le monde agricole sur le terrain se passe particulièrement bien. Alors, un point très spécifique, je disais, on est concerné, rien que sur notre bassin, par 1800 étangs, hein, c'est plusieurs milliers sur le département de la Haute-Vienne. Donc, on a une vraie problématique qui est bien connue de vous tous, hein, avec entre autres des cyanos et autres soucis. Et il y a eu effectivement un partenariat avec la DDT qui est écrit à tous les propriétaires d'étangs, hein, qu'ils soient réguliers ou non, et qui oriente vers le syndicat pour des actions de conseil, éventuellement après on le verra, de montage de dossiers pour des actions sur les étangs. Bien sûr, 1800 étangs, il n'était pas question d'intervenir partout, donc on a ciblé des sous-bassins où les problématiques avaient été clairement identifiées et qui ont permis et qui permettent une intervention concertée, ciblée, et là aussi avec tous les partenaires que je citais tout à l'heure. Donc bien sûr, plusieurs tranches de travaux réalisés ou en cours sur les plans d'eau depuis 2011, hein, avec des dérivations, des effacements. Là aussi, le partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels est particulièrement important, puisque le Conservatoire peut, par exemple, aider un propriétaire à gérer la zone humide aux abords de son plan d'eau, éventuellement une zone humide qui se recrée après l'effacement. Donc voilà, je vais vite. Si vous avez des questions plus techniques, nous pourrons y répondre. Une problématique, bien sûr, de restauration de la continuité écologique avec beaucoup de seuils, dont beaucoup qui sont à l'abandon. Un premier schéma d'aménagement a été élaboré et il est à l'étude pour 33 seuils sur la Glane, si on prend que cet exemple. Et aujourd'hui, l'opération est bien lancée,
bien lancée. Donc des ouvrages de 1 à 6 mètres, avec notamment la volonté, pour ceux qui situent un peu, la volonté de la ville de Saint-Junien d'effacer un ouvrage qui était le barrage à l'arrière duquel était prélevée l'eau potable pour la ville de Saint-Junien. Ce n'est plus possible aujourd'hui pour des raisons sanitaires, et donc la ville s'est connectée sur un réseau de la ville de Limoges, et on doit effacer cet ouvrage. Alors, c'est un ouvrage de 6 mètres de haut, avec, vous imaginez, derrière un envasement majeur. Donc là, il y a un très gros enjeu, et également un enjeu technique, mais un enjeu aussi pédagogique, puisqu'on entame dès le début un suivi avec un film, avec toute une procédure qui se voudrait peut-être exemplaire ou reproductible, le cas échéant. Donc je passe sur tous les aménagements qui sont faits. Une action, bien sûr, sur la connaissance, la préservation et la gestion des zones humides, avec un inventaire, avec le Conservatoire d'espaces naturels, qui intervient en termes d'inventaire, de conseils de gestion, de plans de gestion, des conventions, des baux, des acquisitions aussi faites par le syndicat. Voilà, on acquiert certaines zones humides, notamment actuellement sur les berges de la Vienne. Donc voilà, illustration de zones humides. Un travail aussi sur des mesures agro-environnementales que l'on a mises en place depuis quelques années. Il y avait un constat sur un manque d'information, de communication sur les zones humides agricoles. Et les MAE ont été vraiment un moyen d'action complémentaire, c'est vrai, très complémentaire à notre contrat de restauration et d'entretien. L'enjeu eau, bien sûr, est important au regard de la DCE. Et la mesure 216 est une mesure qui est efficace, qui est populaire auprès du monde agricole, et que maintenant une de nos techniciennes maîtrise relativement bien. Voilà, il y a 4 agents au syndicat, je ne l'ai pas dit. Des travaux sur les zones humides, de la restauration de mares, de la remise en pâturage extensif, des actions pédagogiques. Beaucoup, beaucoup de communication de notre part sur les politiques de l'eau, de la communication qui passe à la fois par des réunions d'information, des sorties sur le terrain, des actions pédagogiques. Et je crois que cette communication, ça a été aussi, avec les réalisations que l'on a effectuées, un facteur d'évolution territoriale du syndicat, parce que nous n'avons jamais eu une démarche commerciale agressive vis-à-vis de nos voisins, et c'est vrai que malgré tout, l'action qui est menée par mes prédécesseurs depuis plus de 20 ans a porté ses fruits, et aujourd'hui les deux syndicats sur les bassins que j'évoquais qui ont rejoint le syndicat, cela s'est fait de manière naturelle et par la demande d'élus qui n'avaient pas les moyens, et donc sur les territoires desquels il n'y avait pas d'action menée alors que les syndicats existaient, et qui ont souhaité se rapprocher du SABV pour bénéficier de l'expérience acquise, puisque nous partons du principe que rien ne vaut la preuve par l'exemple. Un gros travail aussi, on a fait le choix, en concertation avec un centre d'initiation à l'environnement qui est basé sur notre territoire depuis presque 30 ans, mais on ne se marche pas sur les pieds là non plus, on a fait le choix de recruter un agent qui est à la fois animateur, moniteur de canoë et kayak, animateur nature, et on propose, puisqu'on a un système d'adhésion à la carte, je le disais, avec, excusez-moi de le préciser maintenant seulement, 3
compétences, trois adhésions possibles, une sur les actions que je qualifierais de base du syndicat, une sur les actions d'aménagement pratiques sportives et de loisirs. Donc là, bien sûr, ça intéresse les intercos riveraines de la Vienne, puisqu'il s'agit du canoë-kayak, et une compétence, une option, éducation à l'environnement. Et aujourd'hui, cette option est de plus en plus prisée, puisque les écoles demandent l'intervention de l'animateur dans le cadre de projets scolaires. C'est ainsi qu'a, par exemple, été créé avec une école et l'école l'ENSIL, une école d'ingénieurs de Limoges, une maquette du bassin versant sur laquelle travailler. Donc cette action pédagogique fonctionne très très bien. Des outils de communication que l'on utilise aussi beaucoup, le site internet, des outils d'interprétation. On a aménagé des sentiers d'interprétation terrestres avec bâton compteur. Je suis arrivé à la conclusion. Bâton compteur et des sentiers d'interprétation, sentiers pédagogiques sur la rivière embarqués. Et on termine actuellement l'aménagement d'un bus pédagogique qui ira sur les communes porter la bonne parole de l'importance de gérer les cours d'eau. Merci de votre attention. Merci. Donc, on va passer la parole à notre grand témoin. Et après, on prendra quelques questions. Alors, cette seconde séquence, elle portait donc sur le passage des approches ponctuelles à des approches plus territoriales à travers ce fameux outil de contrat territorial. Et en fait, elle n'était pas sans lien avec la première séquence, c'est-à-dire quand on change de logique d'action sur le plan technique, on est aussi obligé de changer de logique d'action sur le plan politique, sur le plan de l'action avec les autres et avec les autres acteurs. Les présentations insistaient beaucoup en fait sur les évolutions des périmètres d'action et la fédération nécessaire des structures de maîtrise d'ouvrage pour pouvoir coller le plus possible au bassin versant, qui serait forcément l'espace de solution, hein, l'espace où se trouvent les solutions pour résoudre les enjeux de gestion de l'eau tels qu'ils sont redéfinis aujourd'hui. Alors, en même temps, il y a un autre constat qui transparaît à la fois dans le film introductif de la séquence et puis dans les interventions, c'est qu'on a toute une myriade d'acteurs qui portent les différentes actions. Dans le film sur le Val d'Allier, on voyait défiler aussi bien des acteurs associatifs, le Conservatoire des espaces naturels, différentes collectivités à différents niveaux d'intervention, le Conseil général, la communauté d'agglo, etc., etc. Et donc, on voit bien que là, la logique d'action qui prévaut à travers ces contrats territoriaux, c'est une logique vraiment d'action collective, partenariale, au service des territoires, de l'eau et des milieux aquatiques. Et donc, en fait, ça renvoie en fait à un mouvement beaucoup plus général qui est décrit par les sciences politiques, hein, qui étudie l'action publique. C'est le mouvement de, ils appellent ça comme ça, de territorialisation des politiques publiques. C'est-à-dire que là, on a une mutation générale des formes d'action publique qui se sont territorialisées. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et en quoi ça renvoie à ce qui vous a été exposé ? En fait, au départ, quand j'ai préparé un peu ce rôle de grand témoin, j'ai discuté au téléphone avec Lucien Maman et il me disait, mais finalement, les actions ponctuelles, qu'est-ce que c'était ? Les actions ponctuelles, eh bien, c'était finalement faire face à des demandes de réparation des effets dommageables des Trente Glorieuses sur les cours d'eau. C'est pour ça qu'il y a bien un lien avec la première séquence. Or, c'était quoi l'action publique des Trente Glorieuses ? C'était quoi le modèle d'action publique des Trente Glorieuses ? Eh bien, c'était une situation où l'État avait le monopole de la définition de l'intérêt général. Et pour réaliser cet intérêt général, eh bien, il a mis sur pied, à l'après-guerre, des filières d'action, des filières d'équipement. Pour chaque forme d'intérêt général, eh bien, il y avait une filière d'équipement ou de service qui permettait de réaliser cet intérêt général. C'était l'électrification des campagnes, l'adduction en eau potable, etc. Tout cela concourant à un objectif global qui était la modernisation de la France et notamment la modernisation de l'appareil productif de la France. Alors, à la fin des années 80, il y a un livre qui est paru de Gilles Barouche qui est tout à fait passionnant et qui raconte les effets de ce modèle d'action publique très vertical, très descendant et très par filière, sur les cours d'eau. Et il est d'autant plus intéressant pour vous que le fil directeur de cet ouvrage, c'est un cours d'eau du bassin Loire-Bretagne, c'est la 6,
qui est un affluent de la Loire, et je crois même dans la liste des participants, j'ai vu que ce cours d'eau était représenté aujourd'hui. Et ce qu'il raconte, Gilles Barouche, c'est que sur les rivières, eh bien, ça se traduit effectivement par le fait qu'il n'y a pas une rivière unitaire. Il y a la rivière vue par ceux qui gèrent la navigation, la rivière vue par ceux qui gèrent l'eau potable, la rivière vue par ceux qui gèrent l'irrigation, ceux qui gèrent l'extraction de granulats, etc., etc. Chacun gère ça, chacun a son propre objet de gestion qui n'est pas celui de la filière d'à côté, avec ses propres langages techniques, ses propres normes, etc. Et il n'y a pas beaucoup de cohérence ni de coordination entre tout cela. Alors, c'est pas vrai, de temps en temps, il ne faut pas être mauvais angle, il y a de la cohérence. On a vu dans le film, par exemple, que ceux qui gèrent l'extraction de granulats savent se coordonner avec la filière de gestion des déchets pour ensuite combler les gravières. Mais c'est sans doute une exception qui confirme la règle. En général, à l'époque, on ne se coordonnait pas beaucoup entre filières. Alors, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de problème qui apparaissait. Si, parfois, il y avait des problèmes. On s'apercevait qu'il n'y avait pas d'eau pour toutes les filières, il n'y avait pas suffisamment d'eau pour satisfaire toutes les filières. Ou alors qu'une filière générait des effets secondaires, par exemple des pollutions, gênant pour une autre, celle qui, par exemple, produisait de l'eau potable. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans ces cas-là? Ben, on n'essayait pas de voir une gestion plus transversale. On mettait sur pied une nouvelle filière pour gérer ces effets secondaires. Et quand on y réfléchit, c'est comme ça qu'ont été inventées les agences financières de bassin. Face à une myriade de problèmes locaux, de pollution, de déficit quantitatif, on se dit, oulala, on va bientôt manquer d'eau de qualité pour développer la France. On va inventer un nouveau dispositif. Les agences financières de bassin, donc les futures agences de l'eau, avec un système de financement particulier qui va permettre de financer quoi ? Ben, des nouveaux équipements. Des équipements de dépollution et des équipements d'amélioration de l'accès à la ressource. Et donc une politique de l'offre avant tout et des équipements, pour ce qui est de la pollution, plutôt au départ curatifs. Et c'est ce modèle d'action publique, en fait, qui a à un moment qui est entré en crise. Dans le domaine des politiques publiques en général et dans le domaine de l'eau en particulier. Dans le domaine des politiques publiques en général, parce que déjà, premièrement, en termes d'équipement, c'était moins vrai dans le domaine de l'eau, mais dans bien d'autres domaines, on commençait à arriver à un niveau de saturation. Les objectifs d'équipement étaient à peu près remplis. Et puis surtout, avec la crise économique des années 70, on a des nouveaux objets d'action publique qui appellent de nouvelles formes d'intérêt général. Et ces formes d'intérêt général, eh bien, ça ne peut plus être simplement de l'équipement. Quand vous gérez du chômage, quand vous gérez de l'exclusion, quand vous gérez l'environnement, là, on est sur des problèmes qui sont plus complexes, en tout cas, qui ne renvoient pas simplement à la mise en œuvre de solutions techniques qui seraient confiées aux ingénieurs. Alors, ça va être une véritable crise, parce que jusque-là, ça fonctionnait bien. On avait des filières qui fonctionnaient, qui ont été quand même efficaces, qui ont atteint globalement leurs objectifs. On avait des ingénieurs qui travaillaient bien. Mais là, ils ne peuvent plus répondre de la même manière aux problèmes, ils n'ont plus les savoirs. Et surtout, ce n'est pas seulement un problème de solution, c'est aussi un problème de manière de poser le problème. Quand vous posez un problème d'environnement ou un problème d'exclusion, l'État ne peut pas prétendre tout seul définir le problème. Il a besoin des autres pour le poser, pour le définir. Et c'est là où on va avoir transformation de l'action publique, beaucoup plus partenariale, beaucoup plus collective. Il faut se mettre autour de la table pour parler du chômage, pour parler de l'exclusion, pour parler de l'environnement. Alors, dans le domaine de l'eau, cette évolution, elle va peut-être arriver un petit peu plus tard. Elle va surtout se faire dans les années 80-90. Mais à partir du moment où on ne gère plus que des tuyaux, ou à partir du moment où on ne considère plus les rivières elles-mêmes comme des exutoires, des tuyaux, des canaux, mais bien comme des milieux, comme des espaces, avec des zones humides, bref, des hydrosystèmes, à ce moment-là, c'est pareil. On ne peut pas les gérer uniquement par une filière technique, un problème, une solution, un ingénieur, et c'est bon. Non, là, il faut dépasser ça. On touche à la dimension spatiale, en fait, des milieux aquatiques, et donc on touche au territoire. Et l'objet qu'on essaye de gérer, c'est plus notre objet à nous. Quand on gère un réseau d'assainissement, c'est notre objet à nous, on est tout seul à le gérer. Là, non, on gère un bassin versant et donc un territoire avec des gens qui habitent dessus, avec d'autres politiques publiques qui s'exercent dessus. Et donc, nécessairement, on s'engage sur un échiquier stratégique et on est obligé, c'est pas simplement par bonté d'âme, on est obligé d'aller se confronter avec les autres, avec leurs propres objectifs, et d'essayer de se coordonner avec eux, de nouer des alliances, de négocier avec ceux qui sont, de négocier ces alliances ou de négocier avec ceux qui ne sont pas d'accord, de mener des actions de communication pour soutenir tout cela, etc. Et donc, on agit sur le territoire désormais, mais aussi on agit par le territoire. Et donc, on est sorti de cette logique de filières d'équipement. On est passé à une logique beaucoup plus territoriale. Ça se voit dans les outils de l'agence. Mais je pense qu'on n'a pas fini d'en tirer tous les enseignements de cette transformation du modèle d'action publique dans lequel on est. Il y a encore, par exemple, souvent, un petit peu moins, mais quand même, on entend encore souvent la prégnance de l'idée que si on n'avance pas suffisamment vite sur les milieux aquatiques et les zones humides, c'est par manque de maîtrise d'ouvrage.
c'est parce qu'il n'y aurait pas assez de maîtres d'ouvrage. Alors là, c'est un raisonnement qui est encore complètement hérité de la logique d'avant, la logique d'équipement. D'ailleurs, l'expression même maître d'ouvrage montre qu'on est encore là-dedans. Et en fait, on se rend compte, des maîtres d'ouvrage, il y en a. La difficulté, ce n'est pas ça. C'est au contraire de faire en sorte de structurer une maîtrise d'ouvrage qui soit à l'échelle des problèmes que l'on veut gérer, et donc de faire quelque chose qui soit multi-maître d'ouvrage, multi-partenarial. Et c'est ça toute la difficulté. Ce n'est pas un manque de maître d'ouvrage, c'est un manque plus de coordination ou de mise en place de quelque chose qui tient la route. Et au fond, ça renvoie aussi à la difficulté d'être maître d'ouvrage. C'est-à-dire que dans ce nouveau modèle d'action publique territorialisée, être maître d'ouvrage, ce n'est pas seulement proposer une solution, c'est définir collectivement des problèmes et définir collectivement des solutions. Et donc, quand vous êtes maître d'ouvrage, il faut à la fois porter une intention, parce que parfois, personne ne va le faire à votre place. Donc, quand vous dites qu'il faut faire sauter un seuil, il faut faire sauter un seuil, et c'est à vous de le dire, c'est à vous de convaincre. Mais pour y arriver, il faut qu'en même temps, vous proposiez des actions, vous sachiez les mettre en œuvre, mais en plus, il vous faut organiser la concertation autour de tout cela. C'est une posture très complexe, parce que vous êtes partie prenante, vous portez une intention contre certains intérêts, parfois, et en même temps, vous êtes celui qui réunit les gens autour de la table et qui organise la concertation. Alors, le film sur le Val d'Allier, je ne sais pas si vous avez vu, mais les choix de mise en scène étaient quand même très différents du film de la première séquence. On était visiblement dans un univers pacifié, où les gens étaient tous convaincus et d'accord, et les mauvaises pratiques, c'était avant. Ceux qui sont maîtres d'ouvrage, il y en a beaucoup aujourd'hui, savent que ça, c'est quand même un petit peu de la fiction, c'est-à-dire que l'on n'est pas sur le terrain dans un univers pacifié. Les choses se passent difficilement, ça a été dit par certains intervenants d'ailleurs, même quand on cherche des alliés, parfois c'est compliqué de se mettre d'accord avec eux. Et donc, quelque part, sans doute ce qui se joue derrière, c'est que le contenu même des projets, au début ils sont motivés par la DCE, par le Grenelle, que sais-je, mais leur contenu même, forcément, j'imagine, il doit être influencé dans ses objectifs et dans leur mise en œuvre par les objectifs locaux des différents partenaires. Il y a certainement des compromis à faire. Jusqu'où on peut le faire sans perdre de vue nos objectifs premiers? Je pense que c'est une difficulté intrinsèque de ce modèle territorial. Je vous remercie. Merci pour ces réflexions très pertinentes. Et grâce à la discipline de tous nos intervenants, il nous reste un peu de temps, un peu plus de temps pour discuter que tout à l'heure, pour clore cette matinée. Donc là, on va ouvrir la séance de questions-réponses. Donc je rappelle qu'il est bien de vous présenter quand vous posez des questions. Donc allez-y. Oui, bonjour, je suis là, en plein milieu. Voilà, à côté du monsieur qui est là. Bref, donc je me présente Marc Saumureau, je suis vice-président délégué du Césaire Auvergne, où je représente les associations de protection de l'environnement, donc la fédération régionale qui est affiliée à France Nature Environnement, et je suis également membre du comité de bassin au titre du Césaire. Moi, je voudrais faire une intervention un petit peu pour mettre un petit bémol par rapport au film que l'on a vu, le premier film, que je connais bien, le secteur, puisque c'est un secteur de la région Auvergne, c'est le contrat territorial du Val d'Allier. Il est exact que la manière dont ça a été présenté mettait un côté idyllique, ça a même été reconnu par le grand témoin, et je dirais quelque part, ce n'est pas tout à fait la vision que nous, on peut en avoir sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que le contrat territorial, en effet, a été très bien mené, mais je dirais quelque part aussi, c'est pas comment je pourrais dire, autant ce contrat a permis à toutes les parties prenantes d'avoir une vision commune, autant on se rend compte que rien n'est gagné d'avance. Et en particulier, les associations de protection de l'environnement dans lesquelles se retrouvent la LPO et les conservatoires, il faut savoir qu'on est en lutte contre le Conseil général de l'Allier, parce qu'il y a un contournement qui nous pose problème, qui est une atteinte, je dirais, à la dynamique fluviale, sachant que ce contournement va franchir la rivière Allier sur un pont de 200 mètres et une route en remblai. Alors, sans contester, je dirais, la pertinence de faire un contournement, on se rend compte que les vieux démons sont revenus et que, quelque part, le travail préparatoire qui aurait pu avoir lieu n'a pas eu lieu par rapport à ce projet, qui est un projet qui, pour la rivière Allier, aura des conséquences néfastes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que autant il y a des moments où on arrive à avoir des moments de concertation, autant on se rend compte aussi que rien n'est gagné d'avance et ce projet est actuel, ce qui veut dire que tout de suite,
avec le Conseil général de l'Allier, c'est vrai qu'on est sur un terrain plutôt juridique que sur un terrain de complémentarité. Voilà, c'était un peu le contre-exemple, je dirais, pour mettre un bémol par rapport quand même à cette vision complètement idyllique. Alors, je ne vais pas répondre pour les acteurs du contrat Val d'Allier, sauf s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut répondre. Ce que je peux dire, en ayant été en tant qu'agence de l'eau partie prenante de l'émergence de ce contrat, c'est d'abord que quelque chose que l'on n'a pas cité, c'est que le plan Loire Grandeur Nature était un facteur de synergie pour l'émergence de ce contrat et qu'il a permis de réunir autour d'une unité qui n'était pas forcément évidente au départ pour la politique de l'agence de l'eau, qui est la vallée alluviale, de réunir les acteurs autour de ce contrat, donc la région, l'agence et les départements et les associations. Voilà. Donc c'est ce contrat. Alors après, les autres compétences du département du Val d'Allier, du département de l'Allier, ce ne sont pas, je pense, les gens qui témoignaient dans le film qui sont à l'origine de la politique que vous citez. Mais donc je ne peux pas répondre à leur place, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un des premiers contrats d'une grande ampleur sur une vallée alluviale qui était une des priorités du plan Loire Grandeur Nature. Donc est-ce qu'il y a des intervenants du contrat Val d'Allier qui peuvent répondre? Sinon, on va passer à une autre question. Il n'y en a pas. Alors. Donc une autre question. Je me présente, je suis membre du comité de bassin, Pascal Chelet, président de la commission littorale. C'est pour amener un petit peu de sel à vos discussions. Par gravitation, tout nous tombe dessus, et sans, bien évidemment, je reconnais les domaines qui sont décrits ce matin, la restauration morphologique et la continuité écologique. Il a été dit plusieurs fois quand même que nos paramètres qui nous obsèdent, nous, c'est-à-dire l'eutrophisation et la bactériologie, n'ont pas été oubliés. On a parlé des moules de l'aiguillon et on a parlé des marées vertes. Je rajoute un bémol sans casser l'ambiance quand même. C'est vrai que nous, par gravitation, tout nous tombe dessus et ça ne va pas de mieux en mieux. Donc c'est vrai que on travaille certainement dans le bon sens, mais est-ce l'inertie du milieu? En tous les cas, il y a du boulot à faire, puisque pour l'eutrophisation, sans parler uniquement des marées vertes, on a toujours nos eaux colorées, où ce qui change, c'est la couleur, mais tous les étés, on est abonné aux eaux colorées, ce qu'on n'avait pas avant. Et la qualité bactériologique va plutôt dans le mauvais sens, où on est menacé de déclassement. Par conséquent, j'applaudis sur tous les efforts qui sont faits et décrits ce matin, et je veux seulement souligner qu'il reste plein de boulot à faire. Merci, on ne peut que vous approuver. Une autre question? Oui, bonjour. Jean-Michel Sauvier. Donc, je suis exploitant agricole en Vendée. Je suis également vice-président d'une coopérative agricole, la CAVAC, qui couvre la Vendée, les Deux-Sèvres. J'aurais juste une réflexion pour explication de texte concernant ces seuils d'écrêtement, ces chaussées, qui aujourd'hui sont éliminés. Il y a certaines chaussées qui ont été créées depuis plusieurs siècles, bien avant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont eu une raison d'être créées et puis d'exister pendant de nombreuses années. Et la question que je vous pose, c'est dans quelle mesure vous éliminez ces chaussées, on ne risque pas de créer des ASEC là où avant il y avait un stockage d'eau, en fin de compte. Seconde chose, pourquoi vouloir éliminer absolument les retenues collinaires sur les cours d'eau et en même temps vouloir absolument préserver les mares qui ont été dans la grande majorité créées par les paysans, tout simplement pour l'abreuvement des animaux. Donc j'avoue que je n'arrive pas très bien à comprendre de vouloir préserver absolument quelque chose, même si c'est au nom de la biodiversité, vouloir conserver quelque chose qui a été créé artificiellement par l'homme, au regard de ce qui est fait, la volonté de vouloir absolument libérer l'eau dans son écoulement. Et puis enfin, troisième chose, et la dernière, en ce qui concerne les zones humides, on parle beaucoup des zones humides qui ont été asséchées, que aujourd'hui on veut restaurer, voire développer, amplifier, revenir à leur situation d'origine. Ça, je peux le concevoir dans certains cas. Mais qu'en est-il de toutes les zones humides qui ont été
conquis par les zones urbaines qui ont été artificialisées et imperméabilisées aujourd'hui et pour lesquelles, aujourd'hui, je vois mal une position qui est en situation aujourd'hui de non-retour. Je vous remercie. Merci. On va essayer de répondre à vos questions. Est-ce que les intervenants veulent répondre à la première ou à la deuxième question ? Sur la question des mares, des seuils, je crois que c'est des problèmes différents au niveau des seuils. On a à faire face, en ce qui nous concerne, par exemple, à des seuils qui aujourd'hui ne sont plus du tout entretenus, n'ont plus d'utilité. Il n'est pas question de complètement les éliminer. Quand on peut, avec les propriétaires, les aménager pour restaurer la continuité, on le fait. Donc il n'y a pas une volonté d'élimination de ces réalisations anciennes, pas du tout. En ce qui concerne les mares, effectivement, je parle de ce que je connais aussi comme territoire, hein. Il y avait tout un réseau de mares, effectivement pour l'abreuvement du bétail, mais qui servait aussi de certaines de lavoirs, etc., qui ont disparu ou qui sont plus entretenues. Donc là aussi, il y a de la restauration et de la création. Et sur la disparition des zones humides et des espaces naturels sous la pression immobilière, je partage votre analyse. Et aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du schéma de programmation, dans le cadre du SCOT, on travaille d'un commun accord sur la réduction de l'impact et de l'artificialisation des terres, qu'elles soient agricoles ou naturelles. Mais c'est vrai qu'il y a, comme vous le disiez vous-même, des zones humides sur lesquelles il y a eu des impacts négatifs et qui peuvent être restaurées. Et puis celles qui ont disparu sous des zones industrielles ou d'urbanisation, effectivement, celles-là, je suis bien d'accord avec vous, elles ont disparu. Je compléterai sur l'aspect continuité écologique. Je ne vais pas refaire l'historique des motivations de la continuité écologique, mais une rivière, quand elle n'est pas barrée naturellement, l'eau coule. Alors si l'eau ne coule pas en été et qu'il n'y a pas de prélèvement, c'est que naturellement le débit est insuffisant et que l'eau peut s'écouler à l'intérieur en souterrain. S'il n'y a pas de prélèvement sur la rivière, une eau qui n'a pas d'obstacle circule, une rivière circule et a une continuité écologique qui est bénéfique aux poissons et aux sédiments. Mais effectivement, ça dépend des territoires. Et donc, par contre, quand il y a des prélèvements sur la rivière, il est clair qu'il y a des risques d'assec sur les rivières. Sur le volet zone humide urbaine, Monsieur Barry a répondu en partie. Les zones humides qui sont mises à l'urbain, effectivement, celles qui sont détruites, elles sont détruites, mais une séquence de cet après-midi montrera qu'on peut réhabiliter les milieux aquatiques, même en milieu urbain. Alors, effectivement, c'est des travaux lourds. Et on verra l'exemple de Londen, qui est un exemple de réhabilitation de milieux aquatiques en milieu urbain. Donc, c'est possible. C'est toujours pareil, une question de volonté, de maîtrise d'ouvrage, de partenariat et de financement, bien sûr. Donc, on a encore un peu de temps. On peut prendre encore une ou deux questions. Oui ? Oui, bonjour. Timothée Besse de l'association Loire Grand Migrateur. Une réaction par rapport à la réponse de M. Barry qui se voulait rassurante par rapport à la gestion des seuils, sur la façon dont vous avez dit que, évidemment, l'objectif, ce n'était pas d'arraser tous les seuils. Et lorsqu'on pouvait, sur ces seuils qui étaient donc sans usage, on essayait de penser à l'aménagement. Ce que je comprends, moi, de la politique et mise en œuvre aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire, lorsqu'un seuil n'a pas d'usage, on pense d'abord à l'arasement. S'il y a un usage ou une contrainte, à ce moment-là, l'aménagement est un palliatif qui ne résout pas entièrement la continuité écologique. Mais voilà, le sens des priorités, du coup, était... Ou peut-être que j'ai mal compris votre... Non, en fait, c'est que je l'ai sûrement mal exprimé. Mais effectivement, là où il n'y a pas d'usage et où on peut arraser, on arase. Et quand il faut aménager, on aménage. Mais ça me permet aussi
de rebondir sur une situation que nous on vit actuellement et qui me préoccupe particulièrement. Quand on fait tout un travail avec l'aide des financeurs publics sur l'aménagement de seuils, etc., et qu'on voit des projets de micro-hydroélectricité se développer de plus en plus avec un objectif simplement de business sur des petits équipements, mais qui auront un impact énorme, ça m'inquiète par contre là bigrement. On a le temps de prendre une dernière question et après on pourra migrer vers le niveau moins 1 où le buffet est organisé, là, tout en haut je crois, une question tout en haut. Oui, bonjour Vincent Mourenne de la Fédération de pêche de Loire-Atlantique. Ma question s'adresse à M. Narcy pour avoir un éclairage et une analyse un peu plus globale. On perçoit bien, effectivement, au regard des présentations qui ont été faites, la mutation qui a lieu depuis les années 70 en termes de politique de l'eau. Une politique au départ qui était conduite pour se débarrasser de cet intrus pour pouvoir valoriser les territoires. Par contre, j'ai un questionnement et un doute sur le parallèle en termes de mutation concernant la politique de l'État sur l'approche agricole. Et c'est quelque chose qui me questionne et qui m'inquiète, puisque je pense que si ces deux approches-là n'évoluent pas en même temps, la pression sur les territoires et les bassins versants liés aux aménagements agricoles est tellement prégnante que j'ai peur qu'on s'amuse un peu, nous, dans notre coin, à faire des cours d'eau, des choses très jolies, mais qui soient finalement assez peu fonctionnelles d'un point de vue biologique. Alors, vous avez raison de revenir là-dessus, parce que, effectivement, le propos des politistes que je rapportais tout à l'heure, hein, des sciences politiques, qui disent désormais l'action publique, elle est territorialisée, c'est un propos qui, lui aussi, est un peu idyllique. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux modèles d'action publique que j'ai évoqués, le modèle vertical par filière fondé sur l'équipement et le modèle plus territorialisé, plus gouvernance, plus collectif, les deux existent, en réalité, et se confrontent aujourd'hui. Alors, la politique de l'eau est quand même plutôt du côté du deuxième modèle aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec vous, si on regarde la politique agricole nationale, en tout cas, sans doute est-on plus près du premier modèle, où on reste quand même sur une approche par filière et où les logiques de maîtrise, justement, hein, des systèmes naturels, des ressources, sont encore très prégnantes. Alors, la question que vous posez, c'est quand donc mettrons-nous en cohérence ces différentes politiques publiques ? Là-dessus, j'ai pas la poudre de perlimpinpin, j'ai même tendance à répondre, cessons d'attendre cette cohérence, parce que en fait, c'est un leurre. C'est-à-dire que quand on regarde, et c'est vraiment ce que nous enseignent les sciences politiques, les politiques publiques ne seront jamais cohérentes, parce qu'elles ont toujours un contenu qui est défini par différents groupes d'intérêts qui négocient entre eux. Et donc à la fin, on a forcément quelque chose qui est hybride, qui est un peu mal fagoté et qui est, où il y a une tension interne. Tout à l'heure, sur le Val d'Allier, la politique du Conseil général était critiquée, et puis Lucien Maman a dit oui, ça ne devait pas être les mêmes que ceux dans le film. Bah oui, parce que justement, au sein même de l'appareil d'État, au sein même des grandes collectivités, il y a différentes politiques publiques qui sont en conflit entre elles. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'il ne faut pas s'en remettre à la sagesse de je ne sais pas qui d'ailleurs, de l'État ou d'un grand décideur qui serait capable de tout mettre en cohérence. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement, quand on est soi-même missionné sur les politiques de l'eau, eh ben, il faut s'arranger, c'est tout le propos, je pense, de là d'aujourd'hui, il faut s'arranger pour faire évoluer les rapports de force en faveur de la politique que l'on défend, éventuellement face à d'autres politiques. Et pour ça, c'est pas que de l'action technique, c'est pas que de la controverse technique, c'est aussi beaucoup... De l'enrôlement d'acteurs, des alliances, de la négociation. Et c'est vrai qu'on est très loin de l'image idyllique des acteurs qui ont compris ce qu'il fallait faire et qui se mettent simplement d'accord entre eux pour bien le faire. On sera toujours sur un échiquier stratégique et les politiques publiques ne seront jamais que la résultante de ces rapports de force-là, quoi.
Merci. Donc, allez, une dernière question, parce qu'on n'est pas en retard. Une dernière question. Oui, Cédric Deléris, IRH. C'était une question, mais aussi dans le prolongement en fait, de ce qui vient d'être dit. On a parlé du monde agricole tout à l'heure. Est-ce qu'au final aussi, outre les politiques, on n'a pas tendance aussi à le stigmatiser, ce monde agricole, mais que ce soit en fait à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle du territoire ou à l'échelle aussi d'un projet. On essaie toujours de les intégrer, mais de la même manière. Alors on voit l'exemple sur la Vienne où finalement le monde agricole aussi a l'air assez représenté, impliqué. On voit assez rarement aussi dans les acteurs, c'était élargi aux fédérations de pêche, des chambres d'agriculture qui soient présentes aussi dans, quand on travaille sur un contrat de rivière. Alors est-ce que c'est finalement aussi que, parce qu'on sait que ça peut être difficile et conflictuel et qu'on a des politiques aussi assez éloignées, est-ce que c'est nous qui les excluons ou est-ce que c'est eux qui s'excluent? Et quel travail on peut mener aussi là-dessus, quoi? Je peux illustrer l'exemple. Alors là, je n'ai aucun problème là-dessus. Sur le premier contrat, on avait quelqu'un en interne en capacité complètement de faire les diags des exploitations avant de mettre en place les MAE. La Chambre d'agriculture s'est vexée qu'on ne lui confie pas cette mission et a interdit à ses techniciens de bosser avec nous et a essayé a essayé de dissuader les agriculteurs de travailler avec nous. Ce qui est rassurant, ce qui est complètement rassurant, c'est que ça a eu très, très, très peu d'impact sur nos relations avec les agriculteurs de terrain. Ça ne nous empêche pas aujourd'hui, de mettre en place sur un autre bassin un partenariat avec la Chambre en posant clairement les choses, le travail de chacun. Aujourd'hui, ils vont travailler et ils travaillent sur la partie agricole, mais dans le cadre du projet que l'on met en place sous l'égide donc, du syndicat, en partenariat avec les pêcheurs, les naturalistes, etc. Et donc, ça, je suppose que ça va bien se passer. C'était pas du tout, enfin, je crois pas qu'on soit dans une position de vouloir stigmatiser tel ou tel organisme. Après, c'est ce qui a été dit aussi, c'est qu'en fonction du terrain, il y a des partenariats qui peuvent se nouer, qui sont pas seulement liés, et c'est heureux, à des logiques structurelles, mais aussi, quelquefois, à des relations humaines plus faciles. Et voilà. Mais c'est pour vous dire qu'au départ, quand la porte se ferme, c'est difficile d'aller vers le partenariat. Donc, mais il n'était pas question de stigmatiser qui que ce soit. Alors, je voudrais rajouter une couche là-dessus, sur ce que vient de dire M. Barry. C'est-à-dire qu'en plus, le cas c'est un cas d'école. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre dans de nombreux cas. Moi, j'ai travaillé sur pas mal d'études de cas, de bassins d'alimentation, de captage ou autres, où ce conflit autour de qui fait le diagnostic, il est prégnant partout. Enfin, c'est vraiment la réaction de la Chambre ici, elle est tout à fait caractéristique de tout un tas d'autres chambres, sans doute. En fait, ce qu'il y a derrière votre question, c'est qu'est-ce qu'on entend par le monde agricole? Quand on se demande si on le stigmatise ou pas, est-ce que c'est lui qui se stigmatise tout seul? Est-ce que c'est nous qui l'excluons? Est-ce que c'est lui qui s'exclut, etc. La question, c'est oui, mais à faire de quoi on parle? Le monde agricole n'a pas d'existence objective. Le monde agricole, c'est une construction politique. Et ça a été construit de manière active par les pouvoirs publics au moment de la modernisation agricole de la France. On a mis en place la co-gestion agricole, avec un système de représentation du monde agricole justement extrêmement construit pour qu'il n'y ait qu'une seule tête, avec un scrutin ultra-majoritaire, enfin, etc. Il y a toute une ingénierie institutionnelle qui a été conçue pour construire le monde agricole. Donc aujourd'hui, quand on dit le monde agricole, c'est de ça dont on parle. Or, sur le terrain, les agriculteurs, ce n'est pas le monde agricole ainsi construit. D'ailleurs, on ne devrait pas dire l'agriculture, on devrait dire les agricultures, ou en tout cas les agriculteurs, qui en plus, c'est ce que vous disiez, ce ne sont pas seulement des agriculteurs, c'est aussi des habitants du territoire, c'est aussi des citoyens, etc. Et donc, quand on essaye de travailler avec eux, effectivement, toute la difficulté, quelque part, c'est de réussir à les approcher, à les saisir et à les associer en déconstruisant cette notion de monde agricole dont ils seraient les représentants. Et ce n'est pas facile parce que eux-mêmes
ont été, adopté cette identité qu'on leur propose. Ça a eu un effet sur les agriculteurs, cette construction du monde agricole, c'est le leur aujourd'hui, c'est celui dans lequel ils se sentent représentés, et donc essayer de les faire sortir de cette propre, de leur représentation qu'ils ont d'eux-mêmes pour discuter avec eux de manière plus riche et plus positive, c'est pas facile, ça nécessite un travail d'approche assez compliqué, plus ou moins facile, et parfois ça passe quand même par un contournement des institutions, ouais, effectivement.